Vincent Munier, je suis photographe originaire des Vosges et je suis toujours basé dans les Vosges et surtout un grand amoureux de la nature. J'assouvis mes rêves de gosse en voyageant, donc je suis juste un grand chanceux. Et là, c'est l'appel du Nord en Scandinavie. Donc voilà, on est un peu dans le même schéma que le film précédent. C'est un 52 minutes, qui est un film de Laurent Geoffrion, le réalisateur, un ami de longue date. Et on était voilà, en équipe réduite, que deux sur le terrain, en immersion à la toundra, à la recherche des animaux. Vous savez combien de temps tu fais ce métier de naturaliste photographe? Que vraiment j'envie depuis 2002. Mais en fait, je baigne là-dedans depuis tout gamin. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de mérite. À l'âge de 12 ans, mon père me file un boîtier. Et ça a basculé le destin de ma vie. Je pensais plus qu'à la photo, et enfin surtout être dans la nature pour photographier la nature. Au départ, quand Bonne Pioche, la production, nous a sollicité pour ça, j'étais pas trop chaud, parce que c'est vrai que je suis assez solitaire, et puis j'aime pas trop... C'est dur de se dévoiler, en quelque sorte. Moi, mon métier premier, c'est de faire des photos, de montrer mes photos, et pas le backstage. Du coup, j'ai quand même accepté, alors quel message passer. Moi, je pense que ça montre vraiment la quête d'un photographe qui adore les grands espaces, qui se sent bien là-bas, qui se sent perdu dans ces immensités sauvages. Le festival de Val d'Isère, oui, j'en garde un excellent souvenir. J'y étais l'an passé pour la première fois, et puis c'était vraiment des belles rencontres, de passionnés aussi d'aventures, de découvertes. Donc c'est ça qui m'a donné envie de revenir. Alors ça représente